الله الرحمن الرحيم. من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Je n'ai amené ni cola ni mouton. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt son éminence, le professeur Sall, qui m'a toujours impressionné. Chaque fois que je l'écoute, j'ai toujours quelque chose à retenir. J'ai écouté aussi Madame la ministre. Je m'excuse vraiment de parler de cette façon. C'est un peu sceptique. Bien que je suis un homme de nature très optimiste, mais je suis un peu sceptique quand j'entends aujourd'hui qu'on parle d'autonomie, de pensée, des institutions qui vont être là, qui vont se débarrasser de tout. Je crois que... Voilà, merci. Je crois que nous sommes aujourd'hui à une époque où toutes ces institutions et tout ce qu'on a pensé comme doctrine pour améliorer la vie humaine sur Terre est en train de montrer ses limites. Nous sommes donc face à une impasse totale dans ce monde-là aujourd'hui. Si nous pensons que, encore une fois, nous pouvons penser des choses autonomes, nous allons retourner certainement à la case de départ parce que nous l'avons pensé, mais je pense réellement aujourd'hui que tout est arrêté, tout est primé, on est à la fin de tout cela. Aujourd'hui, le socialisme, le capitalisme, le libéralisme, tout ce qu'on a pensé a atteint ses limites aujourd'hui. C'est pour cela que les gens sont en train de faire un retour vers la religion. Pas seulement la religion musulmane ou chrétienne, les religions de façon générale, parce que tout cela est arrêté aujourd'hui. Et nous sommes, le monde est dans l'impasse. Je crois que le professeur, brillant professeur, lui et les autres de l'Afrique, doivent encore repenser pour voir, parce que je pense réellement que toutes ces doctrines aujourd'hui ont montré leurs limites. C'est pour cela que le monde se retrouve dans une situation où les éminents sont en train de dire qu'il y aura un nouvel ordre mondial, mais de quel ordre s'agit-il? Je n'en sais rien, je ne peux pas le penser, je ne suis pas un penseur ni un... Mais en réalité, quand j'ai vu l'intitulé, on parle de femmes, paix, sécurité, développement. Oui, j'aimerais bien que ça soit ainsi. Mais de quelle paix parle-t-on? Et de quelle sécurité et de quel développement? Dans une situation où, parce que clairement pour le Mali, je vais parler du Mali aujourd'hui, parler de cela aujourd'hui, pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, et la communauté internationale, par leur orgueil, pense que le peuple malien doit rester dans cette situation, mourir à petit feu, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne cherche pas une solution. La communauté internationale est dans son orgueil, nous nous sommes dans notre arrogance, et le peuple est en train de mourir. Vous venez parler de paix, de sécurité et de quoi ici? De quelle paix s'agit-il? Je lui ai dit, je ne vais pas parler. Si vous me faites parler, ben si je dois répondre demain, on va aller ensemble. C'est vous qui m'avez dit de parler, j'ai dit que je ne parlerai pas parce que j'ai quelque chose sur le cœur. Je ne comprends pas l'attitude et de la communauté internationale dans leur orgueil pour dire que nous avons dit ceci, il le faut, des élections, de ceci, de cela. Mais le béaba du droit de l'homme,
c'est d'abord le droit à l'existence. Mais le peuple malien aujourd'hui est menacé dans son existence. Ben, on est là en train de surenchère et faire des choses sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il ne faut pas le faire, 18 mois, 20 mois, 30 mois. Mais écoutez, respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai, leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus. Une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie, des gens qui ont des principes. Mais ces principes, c'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. Si, au nom de ces principes, le peuple malien, l'Afrique entière, doit assister à sa destruction, à son effondrement, sans lever le petit doigt, je crois que l'histoire retiendra ça. Je vous remercie. Alors, ce sont ces notes du président Mahamoud Diko que nous allons vous inviter à une suspension. Et juste après la suspension, nous l'avons dit, il y aura un panel de haut niveau qui sera présidé par M. le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel appelé Vega. Il y aura à ses côtés d'éminentes personnalités qui vont échanger sur cette question. Je voudrais juste saluer des femmes ici qui auront marqué aussi par leurs actions notre pays, notamment Mme la ministre Leïla Sina Damba, une ministre qui a œuvré fortement pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes. Je voudrais saluer Mme la ministre qui a Info-Brut. Salam alaikum. Monsieur le ministre Abdraman, salam alaikum. Monsieur le président Gokéi, Oumine Gindo, Madame le maire de la commune 3, merci d'être là ce matin pour ce forum de Bamako. On va observer une suspension et dès la reprise, donc, ce sera le premier panel de haut niveau. Monsieur le ministre, je vous remets le micro pour saluer et suspendre la séance. Merci bien. Merci tous en saluant. Allez, venez pour la photo. La brillante intervention du professeur Alioune Sall et de la ministre Assetou Founé Migan. Donc je déclare au nom du Premier ministre la suspension et la reprise sous peu. Merci. Emmanuel, viens pour la photo. Merci. Emmanuel, venez pour c'est la juste photo. Le micro. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, donc, pour cela, la séance qui est suspendue, juste pour quelques instants. Et nous revenons ensemble. Comment?